rester individuellement les uns les autres, ça prendrait trop de temps, et j'amputerais fâcheusement le temps de notre conférencier. Alors, mesdames, les hautes autorités militaires, civiles, religieuses, messieurs, mesdames, les élus, monsieur le président du tribunal, madame le procureur de la République, ceux que j'ai vus tout à l'heure, il y a des étudiants, soyez les bienvenus. Mes confrères bien-aimés, soyez les bienvenus aussi. Je le dis, monsieur le président, à propos de mes confrères, parce que je sais que vous aimez bien les avocats. Et vous savez que les avocats aiment bien les gens qui aiment bien les avocats. Voilà, amis Rocher, d'ailleurs, soyez les bienvenus, vous êtes nombreux, et vous avez bien fait d'être nombreux, pour au moins deux raisons. La première, c'est que votre venue ici en masse témoigne de l'intérêt que vous portez aux actions du Rotary dans la cité. Et cette action que nous organisons depuis deux ans est en effet une belle, une noble action, c'est presque un menace, parce que les actions du Rotary sont toujours... nobles et généreuses. Celle-là particulièrement. Pourquoi ? Parce que vous avez vu peut-être dans les flyers qui vous ont été distribués que se trouve dans des établissements scolaires, universitaires, à la faculté, à l'école d'ingénieurs, à Sup de Pau, des étudiants en fin d'études particulièrement méritants qui ont montré dans leur cursus universitaire qu'ils étaient brillantissimes, mais que malheureusement, pour des raisons personnelles, certains se trouvaient face à une obligation terrible qui était d'arrêter leurs études pour des simples raisons financières ou économiques. Alors ces quelques cas nous sont signalés, et avec le Rotary, nous avons pris la décision de les aider. Au Conseil constitutionnel, ça a très mal commencé. Ça a très mal commencé parce que j'ai fait enlever tous les portraits des présidents de la République. Alors, j'ai deux grands pensionnaires au Conseil. Il y en a un qui m'a dit je ne veux plus chanter. Je ne me vois plus. Et j'ai dit, le président, non. Le Conseil ne se met sous la responsabilité de personne. Et l'autre m'a dit dis-moi, on n'a pas mis mon portrait. Non, c'était le premier acte d'indépendance, car pendant 50 ans, le Conseil avait dans la salle du délibéré le portrait du président de la République. Nous sommes la seule institution en France où nous ne mettons pas le portrait du président de la République. J'ai même fait enlever le magnifique buste du général de Gaulle. D'ailleurs, vous ne le direz pas, en l'enlevant, on l'a cassé. Alors, du coup, on l'a caché. Donc, première difficulté que j'ai eue, c'est de vouloir affirmer cette indépendance. Ce n'est pas parce qu'on contrôle la loi que l'on appartient à quelqu'un. Nous rendons nos décisions au nom de la République. C'est pour ça que j'ai mis dans tous les bureaux du Conseil le buste de Marianne. Et nous rendons nos décisions au nom de la France. C'est pour ça que j'ai mis le drapeau bleu-blanc-rouge. Il n'y a pas de drapeau européen, car nous faisons un contrôle de constitutionnalité et non pas un contrôle de conventionnalité. Ça, c'était la première histoire que j'ai eue avec le Conseil. La deuxième histoire, qui était assez fascinante, c'est que lorsque on a commencé à vouloir modifier le Conseil constitutionnel et donc introduire les règles du procès équitable, ça marche pas, si, la règle du procès équitable, j'ai voulu introduire au Conseil les avocats, car il n'y a pas de justice sans avocat, pour moi, quelle que soit la cause que l'on défend. Et donc, puisque nous étions au départ que saisis par les politiques, j'ai voulu écouter ce que les signataires des saisines pensaient, et j'ai organisé le contradictoire. Contradictoire avec les signataires des saisines de la loi, puisque vous savez qu'on peut être, saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée, le président du Sénat, ou 60 députés, 60 sénateurs, et quand nous étions saisis par 60 députés ou 60 sénateurs, j'entendais les
député qui avait saisi le Conseil en leur demandant pourquoi il l'avait saisi et sur quel fondement. Et puis, lorsqu'il y a eu la possibilité pour chaque justiciable de saisir le Conseil, j'ai fait construire une salle d'audience, car là, il faut qu'il y ait le contradictoire, il faut, même si la loi, ce qui est en cause, c'est la loi, il faut que l'on puisse entendre ceux qui défendent la loi ou ceux qui ne défendent pas la loi, ou ceux qui l'attaquent. Donc nous avons introduit les règles du contradictoire. Combat extrêmement difficile, puisque les avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation voulaient se garder pour eux ce marché du contentieux de la loi. Et il a fallu que je me batte, et c'est vraiment l'un des combats les plus difficiles que j'ai menés, pour expliquer que au Conseil constitutionnel, à la différence de la Cour de cassation, à la différence du Conseil d'État, il y aura tous les avocats de France pourront venir plaider, et pas simplement quelques avocats. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui considèrent qu'il y a un ordre des avocats, et on ne peut pas avoir des avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation qui se réservent à marcher, et les autres avocats qui réservent tout. Mais je suis à peu près le seul de mon avis, c'est déjà pas mal. Donc le Conseil constitutionnel a subi une révolution, et personne ne s'en est rendu compte. Et un jour, c'est l'autre histoire que je voulais vous raconter, il y a un député qui m'appelle, qui me dit, mais vous avez sanctionné, vous avez annulé une loi déjà votée. Je dis, oui alors, mais c'est scandaleux, je vais écrire un article dans le journal Le Monde. Et je dis, tu peux écrire un article, mais c'est toi qui l'as voté. Les députés avaient voté des lois, une réforme de la Constitution, sans exactement savoir ce qu'ils votaient. Ils avaient voté une réforme de la Constitution qui permettait au président de la République d'aller parler à Versailles, qui avait augmenté le nombre des commissions, qui avait permis aux députés, aux ministres, lorsqu'il revient député, de ne pas perdre son siège. Il avait étudié ce qui le concernait. Il n'avait pas regardé les autres articles de la Constitution. Et l'idée, qui est une idée ancienne en France, que j'ai reprise, qui était une idée qui avait été soulevée et développé par Badinter lorsqu'il était président du Conseil, qui était de permettre à chaque citoyen de contester la loi, que le président de la République, François Mitterrand, n'avait pas voulu. Lorsque j'ai été entendu par la commission de réforme de la Constitution, j'ai fait valoir qu'il fallait donner des droits nouveaux en France, notamment le droit pour chaque citoyen de contester la loi si elle ne lui convient pas, ou non pas si elle ne lui convient pas, si elle porte atteinte à des droits, des libertés qui sont constitutionnellement garanties. Une révolution dont personne n'a mesuré au départ les conséquences, une révolution qui ne fait pas de nous une troisième chambre du Parlement. Aujourd'hui, c'est vrai, on annule de plus en plus de dispositions législatives. Mais ce n'est pas notre fait. C'est qu'aujourd'hui, on a multiplié les lois. Je prends deux chiffres. Au début de la Ve République, le Code, qui récapitule chaque année le nombre des lois votées en France, au début de la Ve République, faisait 490 grammes. Lorsqu'on a, dernière fois qu'on a mis ce code, on l'a relié maintenant, c'est sur informatique, il faisait 5 kilos. En l'espace de 50 ans, on est passé de 490 grammes à 5 kilos. Ça montre qu'on multiplie les lois. Il y a une instabilité législative qui est fascinante, et qui fait que les lois sont de plus en plus vite faites, mal rédigées, qu'on aboutit à donner une institution comme la mienne la possibilité d'annuler, de censurer. Alors naturellement, toute loi ou toute disposition législative absurde n'est pas inconstitutionnelle. Mais encore une fois, l'ustensile le plus important pour le membre du Conseil constitutionnel, le seul ustensile que nous avons, c'est la gomme et non pas le crayon.
Nous ne sommes pas là pour écrire la loi à la place du législateur, parce que le législateur, député ou sénateur, ils sont élus au suffrage universel, direct ou indirect, ils ont la légitimité de faire la loi, nous n'avons pas cette légitimité. Mais nous avons comme mission de gommer tout ce qui peut apparaître comme contraire aux droits et aux libertés. Nous ne sommes pas une seconde chambre du Parlement. C'est ainsi que lorsque nous avons été saisis de la loi sur le mariage pour tous, certains ont manifesté pour dire « il faut que le Conseil l'annule ». Nous ne sommes pas une institution morale. Nous ne sommes pas une institution religieuse. Nous n'avons pas à dire si permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier, c'est bien ou c'est mal. Ça, ce sont les autorités religieuses ou morales. Nous n'avons pas à dire, le Parlement, les députés, les sénateurs, n'avaient pas à écrire cette loi. Ils l'ont écrite. La seule question que nous devions nous poser, c'est est-ce que permettre à deux hommes ou à deux femmes de se marier, est-ce que ça enlève des droits et des libertés aux autres? C'est ça le problème. Mais en France, on confond tout. On confond les institutions et le droit. Nous faisons du droit, nous ne faisons pas de morale, nous ne faisons pas, lisons pas des principes religieux et nous ne sommes pas législateurs. Et donc à chaque loi, nous nous posons la question de savoir est-ce que cette disposition porte atteinte aux droits et aux libertés. Alors oui, lorsque nous avons annulé la loi sur le harcèlement sexuel, nous étions dans le droit. Non pas que je sois favorable aux gens qui font du harcèlement sexuel, mais le législateur avait écrit « est punissable de harcèlement sexuel tous ceux qui font du harcèlement sexuel ». Or, il y a un principe que le législateur avait oublié, c'est que pour punir quelqu'un, il faut les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut dire quand, comment, dans quelles circonstances on peut être condamné pour harcèlement sexuel. Et nous avons annulé la loi. Nous avons été contestés par les associations féminines. Mais ce n'est pas contre elle que nous l'avons fait. C'est parce que si on n'impose pas aux législateurs un certain nombre de respects, de règles, alors on retombe dans l'arbitraire du pouvoir. De même, lorsque nous avons annulé les dispositions sur la rétention de sûreté, qui consistait à maintenir en détention des gens qui, ayant été condamnés pour viol, le médecin disait à l'expiration de la peine, eh bien, ils peuvent être maintenus en prison. Nous avons dit non, non, la loi n'est pas rétroactive, vous pouvez prévoir ça pour l'avenir, mais vous ne pouvez pas maintenir en détention, en privation de liberté, des gens qui ont été condamnés à des peines. La peine est finie, c'est le juge, et le juge seul, qui peut prononcer une peine d'emprisonnement, de privative de liberté, cette peine n'est pas rétroactive. Lorsque nous avons, et ça concerne les tribunaux maritimes et probablement La Rochelle, supprimé du jour au lendemain les tribunaux maritimes, c'est qu'il y avait un principe essentiel qu'on n'avait pas respecté depuis Colbert, que les sanctions, les peines, ne peuvent être prononcées que par des juges, et non pas dans, il ne faut pas qu'il y ait dans la composition du tribunal des représentants de l'administration. Ce sont des principes essentiels. Et notre mission au Conseil constitutionnel est de rappeler aux législateurs ces principes. Alors voilà deux types de saisies. Nous pouvons être saisis par les autorités politiques avant que la loi soit promulguée. C'est ce que nous allons faire dans quelques temps lorsque la loi sur le renseignement aura été votée par le Parlement, puisque le président de la République a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel avant que la loi ne soit promulguée pour savoir s'il y avait ou non des atteintes aux droits et aux libertés. Et nous pouvons aujourd'hui être saisis de lois anciennes par les citoyens à l'occasion d'un procès civil, commercial, prud'homal. Lorsqu'on leur oppose une loi, ils peuvent dire non, écoutez, avant de me condamner sur le fondement de cette loi, je voudrais savoir si elle est constitutionnelle, si elle ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés. C'est ça la responsabilité du Conseil constitutionnel. C'est ça sa mission. Il n'y a pas d'autre mission que celle-là
Nous faisons un contentieux de la loi et non pas le contentieux des citoyens. Nous regardons si la loi est conforme aux droits et aux libertés. Nos textes de référence, c'est naturellement la Constitution, mais la Constitution de la Ve République, dans son préambule, renvoie à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et renvoie aussi à la Déclaration des droits de la Constitution de 1946, les droits économiques et sociaux. Et donc, au nom de la liberté, au nom de l'égalité, au nom de la fraternité, au nom de la laïcité de l'État, au nom des droits économiques et sociaux, nous regardons si les lois votées par le Parlement sont conformes ou non au principe de la République. Alors, pour faire ce travail, qui est de plus en plus important, puisque ces 5 dernières années, nous avons rendu plus de décisions que le Conseil n'en avait rendu en 48 ans. Alors, je vous rassure, c'est pas encore chez Renault, hein, il y a encore un peu de productivité. On travaille beaucoup, 95% de notre activité vient de la question préalable, question prioritaire de constitutionnalité qui vient des justiciables. Le succès de cette QPC, c'est sa rapidité, puisque actuellement, dans un délai de 2 mois et 10 jours, nous rendons nos décisions. Lorsque la QPC arrive devant le Conseil constitutionnel, eh bien, 2 mois et 10 jours après, les justiciables ont le résultat de leur saisine pour faire annuler la loi. Et cette rapidité vient du principe que pour nous, le temps de la justice n'est plus le temps des magistrats, le temps des juges, c'est le temps des justiciables. Et que lorsque vous avez un droit, même si c'est une illusion, vous avez le droit d'être fixé rapidement sur la réalité de ce droit. Et que si on pâte sur une justice trop longue, suivant que vous êtes puissant et misérable, vous avez le temps d'attendre. Le temps d'attendre n'est plus aujourd'hui acceptable et la légitimité d'une institution judiciaire vient de la rapidité avec laquelle elle rend ses décisions. Voilà ce conseil. Alors j'ai une chance inouïe que personne d'autre n'a eue. Au début, j'ai siégé entre 2 personnages tout à fait exceptionnels qui s'aimaient d'un amour tendre. J'avais à ma droite un personnage. Bonsoir monsieur, bonsoir mademoiselle, bonsoir madame. Qui est un personnage éminent naturellement. Mais il a une caractéristique. Il avait un amour tendre pour mon voisin de gauche, qui était toujours là, et c'était assez fascinant parce que nous n'existions pas à leurs yeux, ils se regardaient, un peu comme 2 amoureux. Heureusement, ils ne sont plus là. Oh, ils ne sont plus là. Il y en a un qui est très malade et qui n'est plus là. L'autre vient de temps à autre. Puis nous avons eu un 3e personnage. Il a fait un court passage. Parce que preuve de l'indépendance du Conseil, nous avons annulé ses comptes de campagne. Montrez bien que nous avions acquis une indépendance. Et d'ailleurs, lorsque nous avons été saisis de ses comptes de campagne, je lui ai demandé de ne plus venir au Conseil. Pourquoi ? Je dis parce que c'est une question de principe. Nous devons souverainement décider. Et nous avons refait une instruction contradictoire en présence des avocats. Chaque acte d'instruction était signifié au parti. Et une fois que l'instruction était terminée, il y a eu une séance de plaidoirie où l'avocat de l'intéressé a plaidé, puis nous avons mis en délibéré et nous avons rendu leur décision, et depuis ce jour-là, je ne le vois plus. Parce que la 2e fonction du Conseil constitutionnel, en dehors du contentieux législatif,
c'est le contentieux des élections législatives et sénatoriales et présidentielles. Pour les législatives et sénatoriales, cette institution n'est ni à droite ni à gauche, puisque depuis 1958, nous avons annulé près de 60 élections et à proportion égale, droite et gauche. Pour les élections sénatoriales, nous terminons dans les prochains jours le contentieux des dernières élections sénatoriales. Puis je vous l'ai dit, nous sommes juges de l'élection présidentielle. C'est nous qui organisons l'élection présidentielle. Et d'abord, nous sélectionnons les candidats, puisque vous savez, pour être candidat à la présidence de la République, il faut être parrainé par 500 maires, adjoints ou élus, ou députés ou sénateurs, représentant 30 départements. Et comme le Conseil est une toute petite institution, nous sommes de la femme de ménage au président 60, tout le monde s'y met pour vérifier que si le maire de telle commune nous a envoyé un document pour dire qu'il parrainait M. X, c'est bien lui qui l'a signé. Alors, de temps en temps, avec les fonctionnaires de l'administration, les 60 personnes, parce que les membres du conseil ne le font pas, moi je le fais, on appelle les maires. Et d'ailleurs, un jour, je ne dirais pas l'endroit, mais pas très loin d'ici, on avait reçu un formulaire d'un maire disant qu'il allait parrainer M. Attel. Et donc j'appelle la mairie et je tombe sur la secrétaire de mairie qui me dit « Monsieur, qui êtes-vous ? Le conseil constitutionnel. » « Qui ça ? Le conseil constitutionnel. » « Ouais. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais parler à monsieur le maire Attel. » « Ah ben il faut l'appeler dans sa ferme. » « Donnez-moi le numéro, je l'appelle dans sa ferme, je tombe une femme qui me répond « Allô ? Oui ? C'est quoi ? C'est le conseil constitutionnel. »« La redoute ? Non, le conseil constitutionnel. » « Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais vérifier si monsieur le maire a bien signé un document. » Et à ce moment-là, elle me dit « Ne raccrochez pas !» Et j'entends « Marcel, quelle connerie t'as encore fait ?» Il avait parrainé un candidat à la présidence de la République, qui d'ailleurs, depuis, a été élu. Et donc, si vous voulez, c'est un travail élection très important, puisque nous sélectionnons les candidats. Nous arrêtons la liste des candidats, nous surveillons les bureaux de vote, et à ce moment-là, on s'adjoint la collaboration de près de 1000 magistrats, et là, il y a des choses extraordinaires, c'était pas très loin d'ici, c'était plutôt à la Normandie, où un jeune magistrat, monsieur le président, arrive dans le bureau de vote, et on venait de prononcer la clôture du scrutin, et le maire offrait, avant de dépouiller, un coup de calvin à tout le monde. Et la magistrate ne disait pas le droit. Et nous avons été saisis pour annuler le vote, on ne l'a pas annulé, dans une autre commune, là c'était le sud de la France, au moment où la jeune magistrate arrive, il est midi et demi, pour regarder si tout se passe bien, elle voit sur la porte de la mairie, « Si vous voulez voter, venez me chercher au café ». Le maire avait fermé la mairie et la jeune magistrate arrive, se précipite au café et elle voit le maire en train de boire un coup. Elle dit « Monsieur le maire, vous n'aviez pas le droit de fermer le bureau de vote ». Et le maire dit « Écoutez, vous êtes bien joli et bien jeune. La commune, c'est 170 habitants. Il y en a 168 qui votent avant midi et il y en a deux qui, pour m'emmerder depuis 15 ans, attendent 5h30. Donc, ne vous tracassez pas. » Alors, elle appelle le colonel de gendarmerie, ça monte jusqu'à nous. Et, car le maire avait ajouté, « De toute façon, je connais bien ma commune, il y aura tant pour ce candidat-là et tant pour l'autre. » Et donc, la jeune magistrate, prêt et moulu de l'école, nous fait un rapport disant qu'elle avait été... que d'abord, le scrutin était faussé, car le maire avait annoncé à l'avance le résultat du scrutin. Alors, le maire, il sait toujours le même scrutin depuis 30 ans. Nous n'avons pas annulé. Par contre, nous avons annulé dans une autre commune où le maire, au moment du dépouillement, a viré tous les spectateurs, tous les gens qui étaient là. Il a viré tout le monde de la mairie, il est resté tout seul. Alors,
quand on lui a demandé au cours de l'instruction pourquoi il avait renvoyé tout le monde, le dépouillement doit être public. Il a dit, écoutez, vous ne connaissez pas ma femme, elle me fait chier à chaque fois qu'on dépouille parce qu'elle est derrière mon dos, elle me fait faire des erreurs, donc j'ai viré tout le monde et j'ai dépouillé tout seul, ça a été beaucoup mieux. On a été forcé d'interrompre le scrutin. Dernière histoire, je téléphone à un maire pour savoir qui l'a patronné, et le maire me dit « Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de la personne que j'ai patronné ?» Ben, je dis, non, monsieur, ça veut rien dire. Écoutez, je ne sais plus parce qu'il y a une embrouille dans ma commune entre ma femme et ma secrétaire de mairie. L'une est pour un candidat, l'autre pour l'autre. Et je crois que pour les ennuyer, j'en ai mis un troisième. Mais est-ce que vous pouvez me rappeler le nom? Je dis non, monsieur, dites-moi qui. Il me dit, mais je ne sais plus. J'ai été forcé d'annuler son parrainage. Donc c'est un rôle qui nous prend beaucoup. Et après, on a le contentieux électoral. Donc une juridiction constitutionnelle très particulière, une juridiction constitutionnelle qui est en charge du contrôle de la loi, du contrôle des principes généraux de la République, et une institution qui prend beaucoup de temps lors des élections législatives, sénatoriales et présidentielles pour essayer de faire en sorte que le scrutin soit un scrutin qui se passe dans de bonnes conditions. Pour ce faire, neuf membres désignés pour 9 ans, non renouvelables, et je me suis opposé à toute réforme de la Constitution en ce sens, puisque certains voulaient qu'on puisse prolonger le mandat des membres du Conseil. J'y étais totalement contre, parce que c'est un gage d'indépendance. Le fait de ne pas pouvoir solliciter un second mandat fait qu'on est vis-à-vis du pouvoir politique, dans une indifférence totale. Je dis d'ailleurs toujours à ceux et à celles qui arrivent au Conseil qu'on a, à l'égard de celles et ceux qui nous ont nommés, un devoir d'ingratitude ou d'indifférence. On ne peut pas et on ne doit pas aller à l'Élysée, à Matignon ou dans les ministères. Je m'y refuse parce que la justice constitutionnelle, comme toute la justice, doit être totalement indépendante et couper tous les liens avec le pouvoir politique. Alors une autre caractéristique du Conseil, tant que je suis là, c'est que les membres du Conseil n'ont pas de collaborateurs. J'ai tellement vu dans ma carrière jouer la technocratie parlementaire, où les députés et les sénateurs, bien souvent, ne lisent que des discours ou ne font des rapports que des rapports ou des discours écrits par d'autres, que là, je n'ai pas de collaborateurs, les 9 membres n'ont pas de collaborateurs. Et par conséquent, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui lisent les dossiers, c'est eux qui rédigent leurs rapports. Ils sont naturellement, ils peuvent demander des conseils à un service juridique de 4 personnes et à un documentaliste, mais personne ne leur écrit leur discours, leur intervention au cours du délibéré parce qu'ils n'ont pas de collaborateur. J'ai tellement vu, quand j'ai mis en place la QPC, comment dans la Cour suprême américaine, qui dirige la Cour suprême américaine, ce ne sont pas les juges, ce sont les assistants, c'est les assistants qui choisissent les affaires. Dans la Cour tribunal de Karlsruhe, c'est évident que chaque membre a 4 ou 5 collaborateurs et c'est ces collaborateurs qui leur rédigent leur intervention. Et dans la Cour constitutionnelle italienne, c'est également la règle. Ce sont des jeunes assistants, souvent tout à fait remarquable, mais le pouvoir de juger, le droit de juger, n'est pas conféré à une équipe, il est conféré à un homme, à une femme, et ce droit de juger n'est pas délégable. Et donc, tant que je serai au Conseil constitutionnel, il n'y aura pas de collaborateurs pour les membres du Conseil. Alors c'est très difficile, parce que il ne vous a pas échappé que nous avons comme membres des personnalités éminentes. Des divas qui ne sont plus des divas, qui se croient encore être des divas, et qui ont été habitués à avoir autour d'elles des collaborateurs. Et quand elles arrivent pour la première fois, elles me disent « Mais est-ce que je vais avoir un collaborateur ?» Non, vous n'aurez pas de collaborateur. Mais je suis pas... C'est pas mon problème.
Donc ça, c'est une règle essentielle. Enfin, autre règle qui, tant que je suis là, n'aura pas cours, c'est l'expression d'opinion dissidente. Dans un certain nombre de juridictions étrangères, de cours constitutionnelles étrangères, notamment aux États-Unis, en Espagne, lorsqu'une décision est prise, si un juge n'est pas d'accord, il peut publier une opinion dissidente en disant « la Cour a décidé ça, le Conseil a décidé ça, mais moi je ne suis pas de cet avis ». Là, je suis totalement contre, totalement opposé. En France, on est sans arrêt à critiquer tout. On critique la loi, parfait. Une fois que la décision est rendue, c'est terminé. On arrête de discuter. Parce que si on commence à dire le Conseil constitutionnel a annulé ta disposition, mais moi, je pense que ce n'est pas une annulation acceptable, eh bien, en cas de changement de majorité, on va revenir sur la loi. Voilà cette institution très particulière. Et la QPC nous a permis de faire une révolution. Révolution dans le droit. Alors naturellement, monsieur le président du tribunal, les relations ont été difficiles avec le juge judiciaire ou le juge administratif. Parce qu'en France, on est ainsi fait qu'on acceptait le Conseil constitutionnel jadis parce qu'il rendait 10 décisions par an. Une année, il n'a rendu aucune décision et il gênait personne. Mais à partir du moment où le Conseil constitutionnel a commencé à prendre une place éminente, les juges judiciaires, les juges administratifs se sont dit « Attention, on est sur la route d'une Cour suprême. Donc arrêtons, c'est nous la Cour suprême, c'est pas eux !» N'entrons pas dans ce débat. L'histoire montrera que l'institution d'une Cour, d'un Conseil constitutionnel est nécessaire pour la défense des droits et des libertés. Et je pense que la seule réforme que nous pourrions faire dans l'avenir, c'est de permettre à quelques autorités de saisir directement le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, quand on dépose une question prioritaire de constitutionnalité, quand on conteste une loi ancienne, eh bien, on envoie, on fait un mémoire et qui passe par la Cour de cassation qui va dire si c'est pertinent, pas pertinent, si ça concerne un droit, une liberté fondamentale et si nous ne l'avons pas déjà jugé. Ça, il faut laisser ça. Mais les juridictions judiciaires et administratives ont tendance à refuser de nous saisir pour ne pas nous donner trop d'importance. C'est ainsi que nous aurions dû être saisis sur la constitutionnalité de la loi Guesso. C'est évident. Trois fois, il y a eu un recours qui est passé devant la Cour de cassation. Trois fois, la Cour de cassation a refusé. Elle a eu tort. Lorsque s'est posée la question de l'abus de biens sociaux, là aussi, elle ne l'a pas refusé. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence concernant l'abus de biens sociaux est une jurisprudence qui a été élaborée par la Cour de cassation parce que les parlementaires n'ont pas osé le faire. Et si nous avions été saisis, il est évident que nous aurions cassé la jurisprudence de la Cour de cassation, car l'abus de biens sociaux est imprescriptible. Or, le droit français, qui dit si une peine est imprescriptible, ou un délit ou un crime est imprescriptible, c'est l'article 34 de la Constitution, c'est le Parlement. Or, le Parlement n'ayant pas fait, la Cour de cassation s'est substituée à la lâcheté des parlementaires, mais nous aurions, si nous avions eu l'abus de biens sociaux, nous aurions dit, c'est au législateur de faire en sorte que, de dire si le délit de l'abus de biens sociaux est prescriptible ou n'est pas prescriptible. En France, il n'y a qu'un crime qui est imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. Mais il y a aussi, aujourd'hui, un délit qui est imprescriptible, c'est le délit d'abus de biens sociaux. Vous avez intérêt à tuer votre père ou votre mère, là, c'est prescrit par 10 ans, mais si vous faites une connerie et vous avez un abus de bien social, eh bien, c'est imprescriptible. Il y a une incohérence que là, la Cour de cassation ne veut pas que nous tranchions. Donc, je crois qu'il faut permettre à un certain nombre d'autorités de saisir directement le Conseil, et c'est pour ça que j'ai proposé, mais il faut une réforme de la Constitution, et on ne la fera pas dans les médias, que les présidents des autorités indépendantes, par exemple le défenseur des droits de l'homme, qui peut se constituer partie civile, puisse, lorsqu'à l'issue de plusieurs cas particuliers, se rend compte qu'une loi porte atteinte à des droits et des libertés, eh bien, qu'ils saisissent le Conseil constitutionnel.
Voilà cette institution, une institution totalement méconnue, qui commence à être plus connue. Et c'est une institution, et cette QPC a fonctionné, alors que l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, l'autorité judiciaire et l'autorité administrative étaient contre, grâce aux avocats. Et quand j'ai voulu mettre en place la QPC, j'ai fait le tour de la plupart des barreaux de France pour aller expliquer aux avocats. Alors c'est là où j'ai découvert, M. Bâtonnier, qu'il y avait barreaux et barreaux. J'arrive dans une petite ville que je ne citerai pas naturellement, et je dis que j'écris au bâtonnier dont je voudrais venir m'exprimer pour présenter la QPC. Alors, je n'avais pas marqué question prioritaire de constitutionnalité, naturellement. Et le bâtonnier m'a dit, cher monsieur, vous venez quand vous voulez, mais pour expliquer quoi? Alors j'ai dit, la question prioritaire de constitutionnalité. Et il m'a répondu au téléphone, c'est quoi? Ben, je dis, ben justement, je viens vous l'expliquer. Elle m'a dit, venez, vous aurez un très grand succès. J'arrive, je descends de voiture, on me dit, mais tous les avocats sont là. Oh, quel bonheur, je pensais avoir 2000 personnes. Non, ils étaient 13. Le barreau, c'est 13 personnes. Il y en a un qui m'a dit, puisque la QPC, tout se passe par voie électronique. Nous n'avons plus de papier, les avocats transmettent leurs conclusions par voie électronique, nous les transmettons, et il y a un avocat qui se lève et qui dit « mais j'ai pas d'ordinateur ». Ben, je dis « monsieur, utilisez des pigeons voyageurs si vous voulez, mais... » Et puis, « qui êtes-vous ? » Alors, je me présente, il dit « ça ne me dit rien ». Ah, mais vous n'êtes pas Michel ? Je dis « non, ça c'est mon père ». Et Robert, ça c'est mon grand-père. Ils sont tous les deux morts. Ah, on m'avait rien dit. Ça commence bien. Au bout d'un quart d'heure, je lui explique qui je suis. Et il me dit, ben, j'ai compris qui vous êtes, mais on va y prendre tout de suite l'info, ça ne nous sert à rien. Je dis, monsieur, peut-être que dans votre barreau, il y a des gens qui vont considérer qu'il y a des droits, des libertés qui sont bafoués. Mais s'il dit ça, je les fais taire. Merci, au revoir. Ça a été ma première expérience avec un petit barreau, mais j'ai eu de meilleures expériences, et notamment une, dans un barreau, il y a un doyen qui me dit, en tout, ce que vous avez dit, c'était magnifique, c'était bien. Vous êtes toujours président de l'Assemblée, sinon, ça fait 4 ans que je ne suis plus. Ah. Bon, ben, il faudra que je demande de me faire une revue de presse. C'était dans un autre barreau. Il y a tout, mais néanmoins, grâce aux avocats, grâce à la disquette qu'on a envoyée sur la jurisprudence et le Conseil constitutionnel, cette institution est aujourd'hui connue, reconnue. Alors on peut contester nos décisions, naturellement, mais il apparaît très clairement qu'elle a apporté dans le domaine des droits nouveaux aux justiciables, et dans ces droits nouveaux, nous avons fait en sorte de préserver notre droit. Lorsque nous avons, par exemple, annulé une loi de 1838 qui était l'hospitalisation sans consentement, qui avait été la loi qui avait fait que Camille Claudel, la maîtresse de Rodin, avait été hospitalisée pendant 30 ans, nous avons mis un terme à un scandale qui datait depuis 1838, qui consistait pour une famille de faire hospitaliser quelqu'un avec simplement la complicité de deux médecins. Et nous avons décidé que, pour priver quelqu'un de liberté, il fallait que ce soit le juge, qui, dans un délai qui ne dépasse pas 15 jours, puisse dire si l'hospitalisation était justifiée ou non, et le fait en s'appuyant sur deux médecins qui sont des indépendants de la famille. Lorsque nous avons décidé que, à partir du moment où on est interpellé par la police, privé de liberté, on a le droit à l'avocat. Quand j'étais jeune juge, on parlait déjà de la nécessité de l'avocat pendant la première heure de garde à vue. On a attendu 2008-10 pour 2009, pour avoir la loi, on a annulé la loi, car dès qu'on est privé de liberté, quel que soit ce qu'on vous reproche d'avoir commis,
vous avez le droit d'être assisté d'un avocat. De même, nous avons mis un terme à la rétention douanière, ce système absolument extraordinaire qui consistait pour les douaniers, pendant 24 heures, de vous interpeller, de vous priver de liberté, de ne prévenir personne, ni votre famille, ni votre avocat, ni un médecin de famille, et de négocier avec vous une transaction douanière. Ils avaient plus de pouvoir que la police judiciaire, nous avons mis fin à ce système. Et je pourrais multiplier. Alors, la variété de décisions est très grande, ce n'est pas uniquement dans le domaine pénal. Nous avons été saisis au nom de l'égalité par les producteurs de beurre contre les fabricants de margarine. Grand moment de ma carrière au Conseil constitutionnel, puisque les producteurs de beurre considéraient que la margarine a un régime fiscal moins dur que eux. Effectivement, la margarine a été imaginée au 19e siècle, quand on a considéré que l'apport de matières grasses était important pour l'individu, mais comme le beurre coûtait cher, comme le beurre ne pouvait pas se promener parce qu'il fallait des camions frigorifiques, il n'y avait pas, on a incité à créer un substitut au beurre, qui a été, margarine, qui a été créée par un chercheur. Et pour favoriser cet accès aux matières grasses, eh bien, on a mis à la margarine une fiscalité moins importante que la fiscalité qui était pour le beurre. Mais en l'espace d'un siècle, on consomme aujourd'hui plus de margarine que de beurre, puisqu'il y a la margarine anti-cholestérol, les cheveux rouges, je suis le spécialiste de la margarine. Et les producteurs de beurre nous ont saisis au nom de la rupture d'égalité, mais nous ne leur n'avons pas donné raison, puisque des produits différents peuvent être taxés différemment. C'est le législateur qui décide. Or, le beurre est d'essence animale et la margarine d'essence végétale. Et que par conséquent, nous n'avons pas à nous substituer là à la décision du législateur. Notre indépendance, nous la marquons dans nos décisions. C'est ainsi que, sous le règne de l'ancien président de la République, nous avons annulé la première loi Hadopi, parce que les décisions qui étaient prévues n'étaient pas rendues par des juges. C'est ainsi que, sous l'ancien président, nous avons annulé la rétention de sûreté. Et sur le président actuel, nous avons annulé, ce qui était un acte fort d'indépendance, la surtaxation de hauts revenus à 75%, parce que il apparaissait très clairement que l'impôt, c'est une contribution et c'est pas une confiscation, et qu'en ajoutant sur certains hauts revenus 75%, on aboutissait à une confiscation. Et ça demande une grande indépendance. Alors aujourd'hui, et c'est là la réflexion que nous avons actuellement, le pouvoir politique, quel qu'il soit, a assez bien compris que il fallait pas trop nous chatouiller. Le problème que nous avons avec le développement de la QPC, c'est les pressions des groupes de pression. Lorsque nous statuons sur le gaz de schiste, lorsque nous statuons sur certaines fiscalités du beurre et de la margarine, il est bien évident qu'on voit arriver des groupes de pression qui s'installent et qui veulent essayer de nous faire passer des messages. Alors, d'abord, on les reçoit. J'ai pris une position totalement différente de l'Assemblée nationale où les groupes de pression existent, mais on ne veut pas les voir. Moi, je les vois. C'est-à-dire que si un groupe de pression a quelque chose à dire, il nous envoie un mémoire où nous l'interrogeons, mais le Conseil dans son ensemble. Il ne peut pas voir un membre en particulier. S'il voit un membre en particulier, le membre, ça m'est arrivé une fois, ne vient pas à l'audience. Donc si un groupe de pression a quelque chose à dire, eh bien, nous le recevons dans un premier temps le collège. Si il a vraiment un intérêt à agir, alors nous acceptons qu'il vienne avec son avocat à l'audience.
Et c'est ainsi qu'il y a 15 jours, on a eu 7 ou 8 avocats, qui étaient 7 ou 8 groupes de pression, qui voulaient, à l'occasion d'une QPC, dont ils n'avaient pas été à l'origine, s'exprimer. Je crois que nous avons intérêt à officialiser ces groupes plutôt qu'à faire comme si on ne les voyait pas. Agissez, monsieur le Président, ça sera encore mieux. C'est ce que je vous demande. Merci.